Je suis sous la pluie, j'arrive pour le défilé Balenciaga devant le studio 217 à la Plaine Saint-Denis. Ça va être bien. Bonjour Agnès. Bonjour, comment ça va? Ça va. Fall Winter 2018, bienvenue chez Balenciaga. Il y a un numéro de téléphone. Voilà les manteaux qui viennent de défiler au show Balenciaga qui vient de se terminer. Je vais vous montrer quelques images d'ailleurs et poser deux, trois petites questions à Demna Vazalia qui est depuis 2 ans le directeur artistique de la maison. Alors le premier passage, raconte-moi, parce que je crois qu'il y a une technique particulière. Il n'y a pas les pinces, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas de couture. Non, il y a les coutures de côté, ouais. Ça c'est obligé parce qu'on a deux parties de coque de moule. On a scanné le corps en 3D et on a modifié la forme dans le fichier. J'ai fait les essayages dans l'ordinateur, c'est trop bizarre. Et ces deux couches de tissu, il n'y a même pas de doublure. Ah oui. Donc c'est léger. Oh mais la femme, de toute façon, ça a du sens aujourd'hui, non? De les faire défiler ensemble. Exactement. Moi, je trouve ça vraiment pas actuel de diviser ça. Oui, mais c'est la première fois que tu mélanges, enfin, que le couple homme et femme. Parce que là, je me suis dit, c'est la même esthétique, il faut que je le mette ensemble. Il y a une progression quand même dans le show où on accumule des couches. Et tous ces manteaux, c'est une seule pièce. Et pour moi, c'était intéressant jusqu'au bout où on peut aller au niveau de volume. Il y a quelque chose de très, très beau, très serré, jusqu'au maximum de volume à la Cristobal. Et elle a beaucoup de clés. À un moment donné, il y a une ceinture. Parce que je pense qu'il faut qu'on cherche les clés. Ça, c'était plutôt métaphorique pour moi, les solutions sur certaines choses. Merci. Merci beaucoup, bye bye. À la mode.